When you look at pictures of rivers seen from above, you often see the same sorts of shapes. That's the Mississippi River, this is the Kaidu River in western China, that's in Brazil, and that's in England. Yet you might think that there are a lot of different variables to consider. For instance, what the soil is made of, whether there is vegetation or not, how many sediments are carried, or what's the topography like. You may also think that all of these variables probably differ from one river to the other. Well, when geology and physics meet, we can explain why most rivers look alike, despite all of their differences. And that's what we'll discuss today in the Lutetium project. The way flows behave is often captured by a very small number of parameters. For instance, whether a flow is going to be laminar or turbulent is the result of the competition between two physical quantities, viscous drag and inertia. The ratio between those quantities gives a parameter that's used to compare them, and the value of this parameter alone is enough to know whether the flow is going to be laminar or turbulent. We call it the Reynolds number, after a British physicist from the late 19th century. If the Reynolds number is greater than 1, inertia prevails over viscous drag, and the flow is turbulent. If it's smaller than 1, viscous drag prevails, and the flow is laminar. For a given flow, this ratio is defined as the fluid's density times its speed times the width of the channel in which it flows divided by its viscosity. For another flow, having a width 10 times greater, but also a viscosity 10 times bigger, the Reynolds number stays identical, and the flow behaves the same. That's why turbulent wakes are so similar regardless of their size, whether they are in the clouds of Jupiter, in the clouds of planet Earth, inside of a rectangular channel, or inside of a soap film, they all look the same. That's also the reason why studying centimeter-sized vortices can give us lots of information about kilometric ones. It's kind of the same story for rivers. Making a life-sized experiment would not be simple. However, if we build a model experiment in the lab, we'll be able to control it and study it very easily. But the model has to give an accurate description of reality. To do that, we need to identify the physical parameters that govern the flow, and to make sure that their value remains the same in both cases. And that's exactly the job of Anaïs Abramian, a PhD student at Institut de Physique du Globe de Paris. She is trying to understand the morphology of rivers by studying a miniature one. Alors bonjour Anaïs. Bonjour. Les spectateurs du projet Lutetium sont habitués à ce qu'on leur montre des expériences de coin de table, des petites manips. Et donc toi, on a dit que tu travaillais sur une rivière en miniature. Alors on s'attend à ce que ce soit une petite manip ou pas? À quoi ça ressemble une rivière en miniature? Bah, ça ressemble à ça. Donc effectivement, elle fait 2 mètres de long. Et du coup, la rivière que j'ai, elle fait quand même 5 cm de large et 2 cm de profondeur typiquement. D'accord. Mais c'est très simple, c'est uniquement un plan incliné. Comme ça. Donc ça fait s'écouler le liquide, mais moi je le vois pas très incliné de là où je suis. Oui, ça fait à peu près entre 0,5 et 1 degré de pente, donc il est très faiblement incliné, mais ça suffit pour produire une rivière. Du coup, ce plan, on le recouvre de sédiments. Alors c'est quoi des sédiments? Qu'est-ce que tu utilises là comme sédiments et c'est quoi des sédiments en général? Dans la nature, c'est typiquement ce qui va résulter de l'abrasion des montagnes et c'est ce qui va faire le lit d'une rivière. Donc c'est du sable, des galets, des choses comme ça. Mais par contre, ce qu'on utilise ici, c'est plutôt des sédiments en plastique, comme ça on connaît parfaitement la densité et ils sont bien calibrés. Et donc on part d'un lit totalement plat et en fait on fait couler un liquide et après environ 10 heures, on a une rivière qui se forme. Donc on ne la voit pas changer à l'œil nu finalement, c'est quelque chose qui évolue très lentement. Ça exactement, voilà. Okay. Quel est le liquide que tu fais couler là? C'est juste de l'eau teintée en bleu pour qu'on la voit bien ou... Ah non, c'est pas tout à fait de l'eau, c'est un mélange d'eau et de glycérol. C'est un petit peu plus visqueux que l'eau, on peut le voir ici. Et on colore en bleu pour mieux l'étudier. D'accord. Bon, bah, c'est un setup qui est très impressionnant. Est-ce que tu peux nous le faire visiter un petit peu? Je vois qu'il y a des choses tout en haut là et tout en bas. Bah, d'abord, on a juste un système d'éclairage ici avec une dalle LED. Oui. Et comme ça, en haut, on a mis un appareil photo pour pouvoir étudier le cours de la rivière. Ensuite, en fait, le glycérol coule le long de la rivière. Il est récupéré à la fin du lit. Et en fait, il est recyclé en bas et remonté ici, dans les tuyaux d'entrée. Comme ça, on a une boucle fermée. D'accord. Et donc, tu peux faire ta rivière indéfiniment. Tu pourrais l'observer aussi longtemps que tu veux. Ouais, exactement. C'est ça. Donc je comprends bien qu'étudier un système plus petit comme le tien par rapport à une rivière gigantesque dans la vie réelle, ça doit être plus simple, mais il doit y avoir aussi des paramètres que vous contrôlez beaucoup mieux dans ta manip. Alors quels sont ces paramètres par exemple? Oui, par exemple il y a le débit de liquide qu'on contrôle parfaitement. Ici on le maintient constant, alors que par exemple dans la nature il va y avoir les précipitations qui va amener des variations de débit et qui va changer le cours de la rivière. Par exemple, il y a la taille des sédiments aussi. On a pris tous les sédiments de taille égale, alors que dans la nature, on va retrouver du sable à côté de galets de tailles différentes et qui sont plus difficiles à étudier. Quand on a une rivière qui est en manip comme ça, on doit pouvoir voir comment elle se forme. On ne voit jamais des rivières se former. Enfin, dans la nature, ça doit prendre des tonnes d'années. Parce que là, vous étudiez la formation de la rivière à partir du lit. Alors, on n'étudie pas la formation de la rivière. La formation de la rivière, c'est un régime qu'on appelle transitoire. Il est compliqué, ce régime, et du coup, nous, on ne s'y intéresse pas. Par contre, on s'intéresse beaucoup plus au régime stationnaire. C'est le régime qui vient après. C'est le moment où la rivière, elle a formé son lit, et son lit ne va pas changer au cours du temps. Oui, l'objectif ici, c'est de prédire, par exemple, la largeur de la rivière, la profondeur de la rivière, d'avoir une expression mathématique pour la largeur de la rivière, mais c'est aussi de prédire le profil, la topographie de la rivière en fonction des paramètres de contrôle. Est-ce qu'elle va être rectangulaire? Est-ce qu'elle va être beaucoup plus courbée? D'accord, donc quand tu dis topographie, c'est vraiment le profil dans une coupe de la rivière perpendiculairement à la direction dans laquelle elle s'écoule. Voilà. Voir si elle est en pente douce ou si elle est... Voilà, exactement. Est-ce qu'elle est plate? Est-ce qu'elle est large? Ok, et donc comment tu la mesures, la topographie de ta rivière? Bah, j'utilise une nappe laser. Alors je vais vous montrer. Je vais la brancher et je vais éteindre la lumière. Voilà, donc là on voit la nappe laser. Ça part d'un point lumineux ici et puis la lumière est diffractée et donc elle finit en nappe comme ça. Et on la voit intersecter là le lit de la rivière. Voilà, exactement. La lumière épouse la forme de la rivière et on peut en déduire la topographie très précisément. Et en plus de ça, elle est réfractée par la surface de l'eau, donc on peut en déduire la profondeur de la rivière. Light is an electromagnetic wave whose wavelength decreases with the speed of the wave. In vacuum, light travels at the speed of light in vacuum. In air, light interacts with a few molecules, so it gets slowed down a little. In water, which is much denser, it gets slowed down even more. So what happens at the interface between air and water? If the light wave arrives perpendicularly to the interface, no problem, it can go on in a straight line. However, if it arrives at an angle, the only way to match the smaller wavelengths on one side with the bigger ones on the other side is to bend the light rays at the interface. So light changes direction when it crosses an interface. This phenomenon is called refraction. The index of refraction of a medium is a physical quantity defined as the ratio between the speed of light in vacuum and its speed in this medium. And if we know at which angle the light rays arrive on an interface, we only need to know the indices of refraction of the two media to predict in what direction the light will be deflected. Donc tu mesures la forme de ta rivière et qu'est-ce qui va faire changer cette forme de la rivière? Quels sont les paramètres qui modifient ton profil? Alors dans cette configuration-là, on aura toujours le même genre de profil, mais le paramètre déterminant, ça va être le débit de liquide. D'accord. Donc si je te fais un schéma au tableau, par exemple ici, que je prends une rivière en coupe, donc ça c'est les berges de la rivière, ça c'est le fond de la rivière, on aura toujours un profil en cosinus, comme ça, et c'est le débit de liquide qui va nous donner la taille, c'est-à-dire qu'on va avoir un profil plus grand ou plus petit en fonction du D'accord. Tu as la même forme, mais tu la rétrécis, tu l'augmentes. Et ce qu'on observe, c'est que quand on ajoute des sédiments, on ajoute un débit de sédiments, on va avoir une rivière qui va être plus large et moins profonde, comme ça, et puis plus plate au centre. Puis alors, si on augmente encore, elle va être encore plus large, encore moins profonde et encore plus plate. Alors, donc, quel est le rôle que jouent ces sédiments? Pourquoi est-ce que rajouter des particules au fond de ta rivière fait qu'elle devient plus large et plus plate? Alors, pour expliquer ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit modèle sur les grains. Donc, si on dessine, par exemple, ici, tous les grains qui sont en mouvement sur le fond de la rivière et qu'on essaie d'étudier un petit peu leur mouvement, ce dont on s'aperçoit, c'est que les grains qui vont être sur le côté ici, à cause de la gravité, ils vont être poussés vers le centre de la rivière, comme ça. D'accord. Ils tombent là où c'est le plus bas. Ils vont simplement tomber vers le centre. Mmh. Et du coup, ça va faire que ça va éroder la rivière et ça va l'élargir. D'accord. Et ça va la rendre aussi moins profonde. D'accord. Mais si avec la gravité, comme ça, on aurait des rivières infiniment larges et, très, très, très peu profondes. Et toi, tu as une taille, enfin, tu as une largeur qui varie plus, quoi. Exactement. Donc du coup, il y a forcément un autre mécanisme pour compenser cette gravité. Nous, on dit que c'est un mécanisme de diffusion. Donc ça veut dire que les grains, ils diffusent sur les côtés et ils permettent de maintenir les berges telles qu'elles sont. When submerged in a liquid bath, any object will feel countless little kicks from the molecules of the fluid surrounding it. Usually, we don't get to notice it, because the objects are too large for the kicks to have any sort of visible influence. But if the object is small enough, we can actually see the effect of these collisions. And since the direction they come from just keeps changing all the time, the movements of this object can be considered random. That's Brownian motion, named after botanist Robert Brown, who reported the first observation of this kind of motion on pollen grains just like these. Let's assume that at the beginning, all of our grains are located close to each other. If we wait long enough, we'll see them spread apart until they're uniformly distributed in space. This happens just because of the thermal motion of the molecules in the liquid. This phenomenon is called diffusion. It's the motion of objects immersed in a fluid from dense to dilute regions, in such a way that their concentration becomes uniform. Donc tu nous as dit qu'il y avait deux mécanismes qui agissaient sur tes grains, la gravité qui faisait descendre et la diffusion qui faisait monter, mais tes grains ils sont beaucoup trop gros pour que l'agitation des molécules du liquide puisse avoir un effet quelconque dessus, non? Donc c'est un autre type de diffusion? Oui, oui, c'est une diffusion qui est due pas au choc des molécules autour des grains, mais au choc des grains sur le lit rugueux de la rivière. D'accord. Et pour caractériser ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi des grains. Donc, je vais te montrer ici. Ça, c'est une rivière vue de haut. Ok, donc on est super zoomé, là. Voilà, ça, c'est 4 cm. Voilà. Et donc, on voit les grains de la rivière. Et comme ils sont colorés, on peut les suivre. On peut suivre exactement leur mouvement. Et on va voir, donc, par exemple, ce grain rouge, là, qu'on suit. On arrive à tracer parfaitement sa trajectoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir des trajectoires très droites, eh ben, ils sont légèrement déplacés vers la droite, vers la gauche. C'est ces chocs avec leurs voisins qui sont immobiles qui font qu'en quelque sorte, ils sont tantôt à gauche, tantôt à droite, voilà. Et ça fait une diffusion, mais latérale. Latérale, quoi. Transverse. Ouais. Voilà, et donc c'est similaire au choc que pourrait avoir un petit objet. On peut la modéliser pareil, même si l'origine du mécanisme physique n'est pas le même. C'est ça. D'accord. Et bon, dans ton schéma, là, moi, ce qui m'étonne, c'est que la diffusion, on a l'habitude plutôt d'avoir un mécanisme qui va faire se répartir les choses uniformément, de façon homogène. Et là, tu as dessiné des flèches que vers le haut. Donc, est-ce que ça ne diffuse pas quand même aussi vers le centre, dans tous les sens? Alors, tu as raison, mais ce qui se passe, c'est que si on trace la concentration, donc le nombre de grains qui sont en mouvement, en fonction de la coordonnée, comme ça, qu'on peut appeler Y, alors, au centre de la rivière, en fait, on va avoir une concentration homogène de grains. Et c'est sur les côtés où on a moins de grains en mouvement. Donc ici, c'est complètement homogène. Et par contre, dans la transition, là, on va avoir le mécanisme de diffusion qui va tendre à homogénéiser les populations de grains. Et du coup, il va y avoir les grains qui vont aller des zones fortement peuplées vers les zones faiblement peuplées. D'accord. Donc maintenant qu'on a bien compris comment ton modèle fonctionnait, comment est-ce que tu passes du laboratoire à la nature en fait? Alors dans le système expérimental ici, on a défini deux paramètres qui vont capturer toute la physique du problème. Il y en a un, c'est le nombre de Péclet. Lui, il va mesurer l'importance relative de la diffusion des grains et de l'entraînement des grains par l'écoulement. Et il y en a un deuxième que nous on a appelé le nombre de transports, qui lui va comparer la gravité et la diffusion. Ok, donc c'est celui qui vient en fait quantifier un peu ce schéma qu'on a décrit, la compétition entre les deux forces. Là. Et à l'aide de ces deux paramètres, on peut en déduire la topographie de la rivière. Donc ces deux paramètres, ils font appel à des tonnes de variables. Voilà, le débit de sédiment, voilà, le débit de liquide, etc. Et tu calcules la valeur de ces deux nombres, voilà, et juste en connaissant ces deux valeurs, tu arrives à prédire ma rivière aura une forme plutôt en cosinus, plutôt rectangulaire et une largeur de temps. D'accord. Donc finalement, toi, tu t'es attaqué à un problème de géologie, mais en ayant le point de vue d'une physicienne. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte, les interactions entre ces deux branches de la science ? Bah ici, l'apport de la physique, c'est de se placer en laboratoire d'abord, donc du coup en conditions simplifiées et contrôlées. Et du coup, on est capable de faire des expériences qui sont reproductibles. Et du coup, à partir de là, nous, on a pu isoler l'influence de chacun des paramètres. Évidemment, c'est toujours un plaisir d'aller sur le terrain. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça pour la première fois. Donc, je suis allée en Chine pour faire une mission de terrain où là, vraiment, on fait des mesures dans la nature et c'est vraiment important de confronter nos résultats en laboratoire et dans la nature. Bon bah écoute, je crois qu'on commence à bien comprendre comment ta manip fonctionne, quelles étaient les questions que tu t'étais posées et comment tu essayais d'y répondre. Donc il me reste à te remercier d'avoir participé au projet Lutetium. On espère que ça t'a plu. Bah oui, bien sûr, merci à vous surtout. Merci de m'avoir invité et j'ai un petit cadeau avant que tu partes. C'est une photo de la rivière vue de près, super, comme tu peux le voir. Et il y a les grains colorés sur les berges. Très joli, bah, ce sera parfait pour la miniature de la vidéo sur laquelle nos spectateurs ont probablement déjà cliqué. Donc voilà, ils la connaissent déjà. Parfait. Merci à toi. Merci. And this is how a 100 kilometers long river can be better understood by studying a miniature one just a few centimeters wide. If you like this video and don't want to miss the next one, please consider subscribing. And if you have anything to say about the video or its content, just leave us a comment.